Je voudrais joindre ma voix à celle des chrétiens de Saint-Nicolas pour adresser mes salutations les plus chaleureuses à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Je voudrais tout d'abord saluer le célébrant principal, Son Excellence Monseigneur Bienvenue Manamika Bafokwao, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo. Puis les autorités ici présentes, le sous-préfet de Goma-Titié et les chefs des villages, et enfin les confrères venus de la RDC et du Cameroun, les prêtres
les religieux et religieuses, et vous tous qui êtes venus participer à cette célébration eucharistique. C'est une grande joie et un honneur pour moi de vous accueillir dans cette église pour rendre grâce à Dieu pour la bénédiction du nouveau presbytère. Soyez les bienvenus et bonne célébration à tous. La paix du Christ. Amen. Bayay, j'ai dit que je suis un peu plus de temps. 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 Fumula nta fumula. Mezambi kwa mundu zanasoso. Na kebe wayaya. Sina sumuli ni kwa wini. Na mbazo. Na mzozo. Na msame ya kini na siku. Na sami ya mboteni na mbosa. Ubina siti. Ubina siti. Tangangu la ubina siti. Chanda kumbana mamarwe kabalina tukutu. Na wakibata sautu mabosu. Na wakwe mwayaya. Manzozi lakwe zami fumwe. Zambi kwa ngolo za zonso katufila chari. Katukatula masumu meto. Katutori za kuzingu chachinkololo. Amen. Thank you.
Mubongo diabo batu sololom fumunzambe wakweze kele jami bote biena yafwanana ngato bavuka omula mtima mieto mina miamsoni miantalo ngato mkomu wako ya benzangu ya katijeto watu wanambe biantalo ngato tavuka. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant, en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Mon combo ya Jesu Christe mfumweto yane ulweti mfumuti mose ubuntuari na ndonzi ya pongo munangu nangu mya myonso. Amen. Weno mitele mpungu. Simbirile no miasungama. Sarile no buderede. Bungu mvukulwani ilweki. Buderede walungtwani wabu katula. Balampe babanzenza. Basimbirila mpungu, mukunsarila, mukunzitisa, mubabi saribiandi, bazabazitisa lumbu kia siabala, kia kabasafuri. Balabo, bamana singa saki nkwezi kiani, bani nata kumongwani wa sinuku. Mboni baga gila munzuani ya lusambulu. Bituizi biyawu biya yoko. Na nkawilu miyawu biya nitambu laga luenda luani. Bungu nzuani yo ya sambu. Mubuka na makanda mamonso. Bayaya, telebo oni fumunzami kwa ngulo za azonso. Tadimbitileno. Thank you.
Frère, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Méditons. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
au chapitre 15, du verset 21 au verset 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen. Bon, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Parce que, si j'ai bonne mémoire, le 27 janvier 2023, nous étions ici pour poser la première pierre de ce presbytère. C'est ça, non? Oui. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Nous venons pour inaugurer, n'est-ce pas, cette maison qu'on appelle presbytère, où les prêtres vont vivre. Mais avant tout, revenons d'abord à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, ça peut être choquant, hein, ce que nous avons entendu là. Ça peut être choquant. Eh bien, la première des choses, le premier mot qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est « rechercher Jésus ». Samu tulenda shimba wanguri wantete wa lumuti ta tombe no ya Jésus-Christ. T'as senti? Cherchez Jésus-Christ. Cherchez Jésus-Christ. Ta tombe no ya Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que une femme, une cananéenne, la voilà qui a des problèmes. Sa fille est tourmentée par un démon. La paix de Christ. Amen. Elle cherche Jésus. Mais les Cananéens, là, ils étaient supposés être des païens. Et elle s'est détachée. Baou Berea Sambilako. Djambouti, hein, ba Sambilanzambi ya kaka. Mais pas Nzambi ya Jésus Christ. Kayandi bouga weretie. Moukentouna bouga weretie. Ah, Jésus Christ amayoka. Allez, Dzamoukini. Djokele. Lendi ya Jésus Christ. Wele mou ningisa. Moutiminou tchandi. Elle a poursuivi Jésus. Et je disais que ça peut être un peu scandaleux parce qu'il y a la réponse de Jésus. Jésus donne une réponse. D'abord, les apôtres n'ont pas voulu collaborer. C'est une cananéenne. Hein?
Mais renvoie-la, elle nous dérange par ses cris. Jésus, fils de David, Jésus, mon David, m'fui la tiari, prends pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon. Renvoie-la, bapotre batele timoukouma. La paix du Christ. Amen. Et Jésus répond, mais je prends seulement la partie qui paraît scandaleuse. Il n'est pas bon qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens. La paix du Christ. Amen. Quand vous faites un akunti, mouananti, dis pas de bala quoi, quoi bamboa, quoi balabamboa. Moi tout le temps, je me sens même plus là-bas. Ah, c'est moi un chichi. Mais comment ça se fait que ça peut sortir de la bouche de Jésus? La paix du Christ. Amen. Suivez bien. En ce temps-là, les païens étaient comparés aux petits chiens. Ce n'est pas que Jésus les traite de petits chiens, mais c'est ce langage-là qu'il y avait dans ce milieu-là. Petits chiens, pourquoi? Balabambo Mouranti. Bobalombo Sambila, Nguranzambi. Bobakwe Yende Mwendo Buna. Ils vont à gauche et à droite comme des chiens. Vous comprenez ça? Ils ne priaient pas le vrai Dieu, le Dieu des Madianites, le Dieu des Philistins. Binzam, binzam, minchana boutoutaka. Mais en allant à gauche et à droite, même nous aussi, eh bien, accroché au fétiche, on peut dire que tu es un petit chien. Parce que tu manges n'importe quoi. Alors Jésus a fait exprès de provoquer cette femme-là pour lui dire que Amoka ngencha nzambi sambila. Esungura nzambi sambilaka. Ukanchana boba ko sambiri. Voilà, nzambi zo jilomoro ngura nzambi. Les petits chiens. Voilà, bamboa. Et cette femme-là, eh bien, au lieu d'être choquée, au lieu de dire que ben, j'abandonne, elle dit non, 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 non. Kani bika kompe. Moi, je suis venu chez toi. Même si j'appartiens à ce peuple-là, qui prie n'importe quoi, qui prie n'importe qui, moi, je viens vers toi, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Tantamane, mutiminuchanti. La paix du Christ. Amen. Alors, je répète. Jésus a provoqué sa foi pour qu'elle sorte, n'est-ce pas, de ses faux dieux. Et la voilà qui s'accroche à Jésus. Il dit, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table, n'est-ce pas, des vrais enfants. Ça veut dire quoi? Les vrais enfants sont ceux qui connaissent la parole de Dieu. Le peuple juif, à partir d'Abraham, Moïse et autres, eh bien, avait reçu déjà la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Alors, ils étaient les fils de Dieu, la paix de Christ. Amen. Et tous ceux qui vont recevoir la parole de Dieu, se convertir, tous ceux qui vont se convertir, ne sont plus des petits chiens. Lorsque tu es baptisé, lorsque tu as accepté la parole de Dieu, tu n'es plus un petit chien, tu deviens maintenant enfant de Dieu, la paix de Christ. Amen. Vous avez compris, non? Jésus a provoqué cette femme et cette femme s'est accrochée. Même si mes parents font n'importe quoi, moi je viens aussi mendier la parole. Voilà pourquoi je suis venu chez toi. Et Jésus a dit, mon Dieu, mais ta foi est grande. Timinu tchaku tcha nene. Djekabo tcha bika. Mungura timinu tchaku. Mwana wa vuka. La paix de Christ. Amen. À cause de ta grande foi. Va, ton enfant est guéri. La persévérance. La persévérance. Ne pas se décourager. Kubwandi mubuno kena. Ne te décourage pas. Avance. La paix de Christ. Amen. Mais c'est là que je voudrais dire merci à la communauté des conceptionnistes. Lorsque on leur a montré Makana, la petite église, une petite communauté et aucun presbytère. Il y a moyen de se décourager. Hein. On ne nous a pas donné la cathédrale, on ne nous a pas donné Sainte-Anne, mais un coin comme ça à Makana, puis Makana aussi a sa réputation un peu drôle. Hein. Jeku Makana. Et avant de venir ici, le pauvre père Pierre-Si, là, il a entendu beaucoup de choses. La paix du Christ. Amen. Mais ils ne se sont pas découragés. Merci aux sœurs. Nous avons négocié chez les sœurs là-bas, les salésiennes. C'était aussi très dur pour les sœurs. Mais détermination, persévérance, elles sont là.
Et voilà, les pères ont suivi. Et le 27 janvier, sa premier coup de pioche. Bon, on peut parler aussi de coup de poche, ce qui est sorti des poches. Et voilà, pose de la première pierre. Détermination. Ils ont fait des efforts. Le diocèse aussi a fait des efforts à travers des bienfaiteurs. On n'a pas l'argent, mais ce sont des dons. Là-bas, à Beijing, là-bas, quelqu'un avait... il s'appelle là-bas les Yambotés de Beijing. Allez, Batambigri, une tonne. C'est ça, je pense, le père Piercy. Et puis, une famille aussi, en France, a donné 3 tonnes. Et puis, d'autres personnes, à travers le diocèse, ont aidé à poser les baies vitrées. Et la communauté aussi, à ses bienfaiteurs, et bien, petit à petit, frère Jean-Claude est où ? Ah, il est dans la foule. Voilà, frère Jean-Claude qui est entrepreneur, n'est-ce pas? On a dit, on ne va pas aller très loin, ça va coûter cher. On a quand même des gens qui savent travailler à l'intérieur. Et voilà, petit à petit, le travail mené par frère Jean-Claude avec détermination, sans se décourager. Aujourd'hui, on va inaugurer, n'est-ce pas, ce presbytère. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui, n'est-ce pas, ont encouragé. Merci aussi, la paix de Christ. Amen. Parce que sans la paix, on ne peut pas s'installer ici. Alors merci à tous ceux qui font des efforts, depuis la plus haute autorité de l'État et tous ceux de la région qui font des efforts pour que la paix puisse s'enraciner. Merci à la présence, n'est-ce pas, du sous-préfet qui représente justement la haute autorité de l'État et qui nous accompagne tout le temps dans ce district de Goma Tsetse. Merci aussi. Vous voyez, il y a l'électricité ici. Certains vont penser que c'est un groupe électrogène. Non, c'est l'EEC. C'est ça, non? Moi, j'ai toujours SNE en tête. Mais SNE est parti. Alors, E au carré C. Donc, énergie électrique du Congo. Voilà. Eh bien, nous pouvons dire aussi merci à Tata Milandou, Anatole Milandou, qui avait déjà négocié en ce temps-là avec les premiers responsables pour que l'électricité arrive jusque chez les sœurs. Là. Et si on a l'eau, si on a l'électricité, eh bien, petit à petit, c'est la région qui se développe. Alors, rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui participent à ce qui est la paix, à ce qu'il y ait, petit à petit, n'est-ce pas, le développement de ces contrées. Ne nous décourageons pas, allons toujours de l'avant. Avec ce premier pas-là, eh bien, demain, il va falloir maintenant penser à l'Église. Nous sommes ici, mais ça ne suffit pas. Il va falloir faire plus. Il va falloir penser à l'Église. Et j'avais déjà dit ici, une fois qu'on a construit le presbytère, on pense à l'Église, on va réfléchir avec la communauté et avec tout le monde, avec les bienfaiteurs, penser à l'Église et un jour penser, n'est-ce pas, à l'école, à une école, à un dispensaire, petit à petit, malembe. Voilà. Alors pour ça, il faut la détermination. Tantamana mutimino tiaku. Ngatu nzambimpe, kaku bakisa. J'en profite, c'est un appel que je lance toujours lorsque j'inaugure dans ces coins-là qui ont été perturbés pendant longtemps, et j'en profite seulement pour lancer cet appel, pour dire, quand il y a la paix, il y a le développement qui arrive. Le développement est le nouveau nom de la paix, dit le pape Paul VI. Et quand il y a la paix, le développement arrive. Lorsqu'il y a le développement, il y a la paix aussi. Alors prions pour cela. Et nous disons non, n'est-ce pas, à tous ceux qui aiment déranger. Batou bika tranquille. Tabe moukatira tizounou. Mbajina mbajia, boutoukoué wéti élection, kanigantibio. Et kakoué bakoué tout ki kanzebiako. Tou bike nou na tizounou. Batata na ba mama ba fatigri kwa ou, misami ya kwe vutu kwe yiri ki mwa tu, kuti ki matsulu, mwke joke à gauche et à droite. Non, voulons plus. Laissez ces histoires païennes là. Nous voulons avancer dans la paix. Alors laissez-nous tranquilles. Convertissez-vous vous aussi. Quel que soit, je dis, toutes les pensées perverses là, n'en voulons plus. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants puissent grandir en paix.
c'est que nos paroisses apportent le développement, c'est que nos mamans aillent en toute sécurité au champ et qu'elles reviennent aussi en paix. Que tous ces coins-là, petit à petit, retrouvent le progrès pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, nos frères. Amen. Amen. L'appel du Christ. Amen. La femme cananéenne a persévéré dans sa foi. Elle a eu foi en Jésus. Eh bien, nous aussi, nous allons renouveler notre foi en Jésus. Parce qu'il nous arrive d'aller à gauche et à droite. Accrochons-nous à Jésus. Il y a un résultat. Quand Jésus a vu la foi de cette femme, eh bien, l'enfant a retrouvé la santé. Elle a été guérie. Nous aussi, proclamons notre foi en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Pour que dans notre communauté, avec les conceptionnistes, dans le diocèse, ici à Makana et partout, nous puissions avoir la paix du cœur et que la grâce de Dieu puisse nous guérir à travers Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Chant de Credo.
Kula ya Yesu ni waka tata kwenke nto wakana mubungu ya kanda ya kintuadi ntuadi sizandi tate to pape François na mfumunganga to tata bienvenue manamikaba fwa kwao na bamfumunganga babonso banganga zanzambi basamba na boba bonso bakwe kuba bakisi musalukyao kyansa mununu mpolo za kese ngatu nsangu za kese zaba Zabantsa mina zatudi kwe bambevu mfumu tugusambide kana mulumbutsi ni kwebeto gatama wata tasambileno mubungu dya bantu bobe malana nsizawu keti nabamphwanawu babaka nkengololo na lubakusu muzingu kyawu mfumu tukusambide Petit chien, mange les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Grande est ta foi, dit le Seigneur, pour que les gouvernants du monde entier, particulièrement ceux de notre pays, le Congo, trouvent grâce devant Dieu et qu'ils prennent pour modèle notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui gouverne le monde avec justice et le peuple avec droiture, implorons la miséricorde de notre Dieu. Et ta foi, dit le Seigneur à la Cananéenne, pour que notre communauté ici réunie, au nom du Seigneur Jésus, en ce jour de l'inauguration de notre presbytère, que la foi de la femme de l'Évangile soit pour nous une source d'inspiration pour confier avec instance à Dieu nos joies et nos peines. Supplions le Seigneur. Oui,
Dieu avec le célibat. Dieu notre Père, écoute nos supplications et réponds ta bénédiction sur chacun de nous, sur cette communauté et ses pasteurs. Tatanzabia Kongo, Beto Swamuninge, Moloseto Peninge, Brigla Samumi, Mitabuya Ula Kaleja Priati Fouare, Yuaji Kangebe, Tolokolo Diago, Tuana Bina, Tukwamina Mulumba, Mungumuya Jesu Christ, Mfumoito. Amen.
Baya ta samile nonga tuta tanzamia mpunga tambula kabuje tuji jantuari na beno na me. Singa samfumu nzambi eto kabuje eto di. Nga tube eto mpeta tantamana. Mulu wilu kululu eto munge. Accueille Seigneur ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. Donne-nous de persévérer également dans la foi. Puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres, à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Partout, 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 partout,
est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque bienvenu ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur l'équipe presbytérale installée ici à Makana 2, sur tous les fidèles chrétiens, catéchistes et autres qui travaillent dans cette communauté paroissiale de Saint-Nicolas, sur tous ceux qui passeront par ici, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint-Nicolas, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Buna bwatu lubure nzambi vukisi andi bene. Nabuka tutumini tukana lenda la tela. Tate to. Uwe kusulu. Kumbwa kumiyari na situtu. Chifuncha kucha tuli. Kanzo kusulu ngele wa birasi. Pia musimu ya kusulu. Tuwana nguchi. Chakito ya mwanu. Katula masumbe. Tukakula mfumu nzambi musamu mia mionso mia mbi, na mia yokele, na mia buwaubu, na mikujilanda. Dolo kolo jako, tuwani dzunu muzengu cheto, tukature mankulu lumurisumu, na musamu mia mionso mikuwe tuteluaka. Bungu beto, buweso bachiminu cheto takela, na nkwezulu ya Kriste vukisi cheto. Zamba, chifumu chake, na lulendo, na ntengo, na temu. Mu Yesu Kristu nge watele kubapotele. Zunu tiani lusisire, zunu tiani lueni. Kufutu atala masumu meto. Tala kwa aminu chitaku sila kanda jako. Nga tumizolo miatuika, chituani zunu na chintuari. Ngewame na zingu na chimfumu, munamvu namvu miami onso. Amen. Zunu chamfumu kwa beno mankololo. Namutima. Zunu kia Kriste. Amen. Sobwa uba teolombila kumatanga umana chimeme. Iuni mwana meme wanzambi katula masuma ntoto anse. Kristo
Thank you.
Nzambieto. Munkayulo wo, omatondo. Tomene kutulu engesa na Kriste. Dolo kolomfu Nzambi. Levo tutama kulomba. Tubakisa. Tafwana na ansia uyi. Takusari labuna kufwana kane. Betompe. Tabwana. Mina mizololo betompe miatalu. Tasari lami antoto ansi. Ô Père très saint, par ces sacrements, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à ton image, à l'image de Jésus-Christ, pour que nous aussi, nous puissions bénéficier des richesses pour notre vie avec le Christ dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Fumunzambi tateto, gewa songe se bantu nzile ati mfumutia zulu, na ya sayi mfumutia mfumululu, umwana kutu Yesu Kriste, asisi ato, kata kata lepidenda, wesu soka zulu mbonsafu, akati teba sangu mbaku kuzulu, ya nguwa teli timbati ya nse, ya nguri ato zulu mbanzambi, mbola mbwanetu, mbunja kubati, Nabukaye kolezingu cyandi mukayuru. Mukumbuye Yesu Kristo mukumbido. Amen. Kwasagale. Nous aurons deux prises de parole. Moi-même le curé, je vais, n'est-ce pas, dire les mots de remerciement et après moi le délégué provincial va dire un mot de remerciement aussi. Son Excellence Monseigneur, bienvenue Manamika Bafokwao, archevêque métropolitain de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo. Monsieur Samba Malonga Aurélien Bruno, sous-préfet de Goma-Tchétché. Monsieur Samba Jacques, chef du village de Makana 1. Monsieur Sita Milandou Clotaire, chef du village Makana 2. Monsieur Batanguna Joseph, chef du village de Mayitoukou. Révérend Père Valérie Amien, conseiller provincial. Révérend Père Jean Moussango, délégué provincial. Abbé Servet, curé doyen du Sacré-Cœur. Révérend Père, révérende sœur, Monsieur les abbés, distingués invités, la paix du Christ. Amen. Au terme de cette célébration eucharistique, je peux qu'exprimer ma profonde gratitude pour cette célébration au cours de laquelle nous avons rendu grâce à Dieu pour l'achèvement des travaux du précipitère. Après 7 longs mois de dur labeur et de sacrifice, cette maison est sortie de terre grâce à Dieu qui, dans sa providence, nous a soutenus et nous a accordé les moyens nécessaires. Mais la divine providence s'est aussi servie des personnes concrètes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. En premier lieu, la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception, représentée ici par le cônome de la province d'Afrique et les confrères venus de la RDC. Merci, chers frères, pour votre soutien indéfectible à cette œuvre. Vous n'avez ménagé aucun effort pour nous permettre d'avoir un toit, afin que nous puissions être stables dans la paroisse et garantir une présence pastorale aux personnes qui nous sont confiées.
Un grand merci à mon Seigneur bienvenu Manamika. Sa présence et sa proximité, comme en témoignent ses nombreuses interventions en notre faveur, sont un motif de gratitude. Depuis notre arrivée dans cette paroisse et le début des travaux du presbytère, il a fait preuve d'une sollicitude de son pareil, cher Père évêque, pour ce soutien, pour vos encouragements et pour le don des baies vitrées et des antivols. Merci aux bienfaiteurs qui ont contribué à l'achat des matériaux, notamment du ciment. Une famille de France a apporté 3 tonnes de ciment, une autre famille 5 sacs, et M. Batanguna Joseph, chef du village de Maïtoukou, 5 autres sacs. Nos remerciements vont à notre confrère ingénieur, frère Jean-Claude Nzazi, et toute l'équipe des ouvriers pour le travail accompli. Un grand merci aux filles de Marie Auxiliatrice, sœur salésienne de Don Bosco, qui nous ont ouvert les portes de leur maison en nous accueillant chez elles en attendant la construction du presbytère. Ô chers chrétiens de Makana, merci d'être toujours là quand le besoin se fait sentir. Merci d'avoir donné de votre temps pour aménager le site, veiller sur le matériel et assurer la propriété. Je suis très heureux avec mes confrères conceptionnistes pour ce jour d'inauguration qui marque une étape importante dans la construction de notre jeune communauté paroissiale appelée à grandir davantage et à rayonner. Une maison peut être construite en quelques mois, mais une communauté prend beaucoup de temps. Nous en sommes conscients, mais nous nous laissons guider par Dieu pour qu'il continue à faire davantage. Car, comme dit le psalmiste, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Psaume 126, chapitre 1. Que Dieu notre Père, continue à bâtir notre communauté sur le vrai rocher qu'est son Fils Jésus. Que l'intercession de Marie Immaculée et de Saint Nicolas, notre patron, nous soutienne. Encore une fois de plus, merci Matondo. Merci au Yamboté de Beijing qui a envoyé 1 tonne de ciment. Monseigneur, bienvenue, archevêque métropolitain de Brazzaville, au nom du supérieur provincial et de son conseil, nous vous disons grandement, filialement, merci. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour votre accompagnement paternel, spirituel et matériel. Nous comptons toujours sur vous,
sur tous les plans. À la communauté chrétienne de Saint-Nicolas, merci pour la franche collaboration. Comme vous le savez, chaque nouvelle mission exige beaucoup de sacrifices, de patience et de détermination. Merci pour tout ce que vous faites pour nos confrères qui sont avec vous. Je les vois en bonne santé. Si vous attrapez N'Gola, pensez à vos frères qui sont là et maintenez bien la maison de vos prêtres. À tous, à toutes et à tous, cherchons le Seigneur et engageons-nous pour le bien de notre paroisse. Amen. Amen. Alors, merci. Bon, vous avez vu que je parle avec le père Pierre-Cy parce que j'ai un défaut. J'aime toujours qu'on donne la totalité, n'est-ce pas, des dépenses, des travaux. Bon, ce n'est pas encore fait parce qu'il y a encore quelques dettes, mais la prochaine fois, on donnera le montant. Combien les travaux ont coûté? C'est toujours très important. Voilà. Partout où je vais, c'est comme ça. Si ça a coûté 1000 francs, on dit c'est 1000 francs. Même la marche, là, quand on a eu la marche, là. Qui a marché parmi vous? Hein, ici, quelques personnes. Voilà. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Et nous avons donné le montant, hein, ce qu'a coûté cette procession-là. Il faut toujours donner, pour que les gens sachent. Quand on va à Congo, Chine, là, on achète et tout ça, il faut toujours rendre compte du début à la fin. Mais là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que, comme je dis, il y a encore quelques petites dettes. Une fois qu'on a terminé, on vous dit combien ça a coûté. C'est important pour les bienfaiteurs qui sont derrière les caméras, là, et qui vont suivre, voilà comment ils ont participé. Alors, merci à Tata Sous-Préfet, merci au délégué provincial, merci au doyen, merci au curé Tata Pierre-Cy, merci à vous tous. Merci à la chorale, à la Scola Populaire, n'est-ce pas, au préfet d'ordre, aux servants, à vous tous, j'espère que je n'ai oublié personne. Merci à la communauté des Salésiennes. Voilà, vous avez hébergé nos frères, qui sont vos frères. Merci. Nous continuons à prier et comme je l'avais dit, ce n'est pas fini. Le diocèse, tout le diocèse est en chantier. Voilà, ce n'est pas fini. S'il n'y avait que cette paroisse, on aurait déjà fait beaucoup de choses. Mais on est partout. En Gampoko, à Tchelampo, à Odiba, à l'Efini, c'est à Inoni. Partout, il faut. Donc, petit à petit. Il y a beaucoup de travail, mais c'est pour la gloire de Dieu. Brazzaville ne s'est pas construite en un jour. C'est plusieurs jours, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs années. Et c'est la même chose qui va se faire aussi pour Makana. L'essentiel, le père Pierre-Cy l'a dit, le fait de venir s'installer ici, c'est la stabilité. Et ça va donner la force, n'est-ce pas, à la paroisse. Alors, le délégué provincial a dit, pour vous attraper N'Gola, eh bien, pensez aussi, n'est-ce pas, aux prêtres, c'est ça, non? Voilà. Baka mon Andunda, mon N'Gola, mon Anti. Voilà, bandileno pe bampelo ngatu batuma sala buna bufona kané. Vous savez, hein, on dit la faim pousse le loup hors des bois. S'il n'y a pas ce qu'il faut ici, ils vont courir ailleurs. Vous comprenez? Pour qu'ils restent sur place, il faut penser à eux afin qu'ils fassent bien leur travail. Voilà. La paix du Christ. Amen. Alors merci à vous tous. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Ah, mais c'est où? Ah, d'accord. Bon. Père, voilà. On n'a pas grand-chose, mais à cette occasion, il y a quelques chasubles qui vous sont apportés, là. Bon. Il y a beaucoup de blancs. On a pensé à ça aujourd'hui. Voilà. Voilà, catholique pour la solidarité chrétienne m'a offert ça. Et je leur ai dit ce que vous m'avez donné là. Dieu a planifié ça pour Makana 2.
Donc c'est pour Saint-Nicolas, voilà. La bénédiction finale et après nous allons nous diriger vers la maison là-bas pour bénir la maison, la demeure, n'est-ce pas, des prêtres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Thank you.